de son excellent le président Laurent Gbagbo, quoi qu'il n'était pas du même bord politique que lui, mais qui à un moment donné a pu faire des causes pour lui parler de Laurent Donald Fogo. Nous sommes à une section extraordinaire de notre comité central, auquel certaines personnalités ont été conviées et des familles des illustres disparus dont nous parlions tantôt. À présent, alors que nous, maintenant que nous avons fait hommage par la voix du professeur Niang, nous allons nous apprêter à écouter, comme je l'ai dit, avec religiosité, l'adresse du président de la Excellence, président de l'Ordre. Après son adresse, bien évidemment, il aura lecture du communiqué final de notre section extraordinaire. Merci de votre attention. Nous allons nous mettre dans les dispositions pour écouter son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Maman Jacqueline, il faut partager le direct. Je vous salue tous et je suis heureux d'être parmi vous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. C'est chez moi. Parce que c'est vous. Parce que c'est je ne veux pas le faire de vous, le Seigneur, il a si bien parlé. Je voulais seulement ajouter un ou deux petits codes. On a oublié un arbitre. Mais ceux qui ont fait avancer notre lutte n'étaient pas tout en carte web. Un monsieur comme Folomo n'était pas en carte web. Mais je ne peux pas ne pas le citer. Parce qu'il nous a permis de progresser. Et en 2000,
que lui, il était là, à la tête du PDCI. Nous avons réussi à faire élire le roi de Tripoli à la tête de l'Assemblée nationale. C'est parce que lui était là que nous avons réussi à faire un gouvernement avec quelques éléments de PDCI, de processus. Tout ce qu'il fait pour essayer de lutter, mais ils n'ont pas forcément regardé au PDC. Bernard Badier, je voulais seulement dire ma fierté que cet homme qui a fait la prison en 1949 dans le combat anticolonialiste avec les Sénégalais, les grands matures. Jupiter. Vous savez qui on appelait Jupiter? Le mot que j'aime pas. Et ça, on a c'est un livre de Soudata pour dire que la mort est le déshonneur. On peut dire qu'on peut être libre. Indigne. J'ai dit l'histoire de la police.
est une. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. J'ai voulu aussi dire quelques mots sur personne ne l'attendait, là où nous l'avons trouvé. Moi, j'aimais bien, en tant que présentateur, le terrain, mais pas plus. Je n'avais aucun rapport particulier avec lui. C'est bien, non? Vient me voir et dit, ah, il y a le directeur de ce moment, il faudrait que je m'accompagne chez lui ce soir vers 22h. On a travaillé
Mais il m'a écrit une lettre, une longue lettre. Les bombardements, tout ce que l'on fait, j'ai perdu la lettre. Il m'expliquait qu'il s'en va là-bas. Non pas par foi idéologique, mais parce qu'il voulait être gardé. Or, dans le département de Guinée, dont il est originaire, on ne pouvait pas être élu sur le terrain pays. Ou sur le terrain ici. Donc, il expliquait ça. Mais il continuait d'être critiqué. Comme ça, moi je suis dit, quand les gens font, puis ils viennent, je ne sais pas ce qu'on a fait là-bas. Il est venu vous soutenir un peu. Donc je voulais dire un mot sur celui-là. Et puis bon, je vais m'arrêter sur ce sans parole parce que ça est trop long. Sans parole, j'avais entendu parler de lui comme étant le plus grand planteur de cacao. Quand tu bouges, tu bouges. Désolé, je n'ai plus de batterie, ça va s'éteindre. J'ai plus de batterie.